Seul vestige romain visible de Bordeaux, le palais Gallien, qui était en réalité un amphithéâtre où s'affrontaient hommes et bêtes, fait l'objet depuis 3 ans d'un programme d'études commandé par la ville de Bordeaux et la Drac d'Aquitaine, à l'institut de recherche Ozonus qui s'est fixé 4 objectifs. Le premier, c'est dater l'amphithéâtre de façon plus précise. Deuxième objectif, c'est savoir quelle est son histoire aussi, depuis l'époque romaine jusqu'à l'époque contemporaine. Troisième objectif, il est d'ordre architectural. Et le quatrième thème, c'est celui de la valorisation et de la restitution. Les spécialistes concernés analysent les résultats des fouilles stratigraphiques qui portent sur le mobilier trouvé. On s'appuie également sur une méthode de datation physique, l'archéométrie. La technique consiste à utiliser des propriétés du quartz qui enregistrent la radioactivité naturelle au fur et à mesure que le temps passe. Donc on a une première façon de mesurer par luminescence optiquement stimulée qui nous permet de savoir quelle est la quantité de doses reçues depuis le début. Les expositions présentent le résultat de ces recherches et la reconstitution en 3D finit de les mettre en valeur. Donc on se sert en fait de toutes les informations, donc ça va être les relevés dessins, les relevés de fouilles, les informations textuelles, les images. Et à partir de tout ça, on va mettre une troisième dimension en fait sur ces données-là. On sait à présent que l'amphithéâtre a été construit entre 90 et 150 après Jésus-Christ, abandonné au Moyen-Âge, transformé en décharge, vendu en lot au XVIIIe siècle et enfin classé monument historique en 1840. Découvrir le palais Gallien, c'est visiter le passé.